Salut à tous, début du quatrième jour. L'aventure Donc j'ai dormi cette nuit sous cet abri, et j'ai bien fait parce qu'il y a eu des orages. On n'a pas trop pris par ici, ils étaient au loin, mais voilà. Et en fait, ici c'est une maison secondaire, donc bon, il n'y a personne quoi. Voilà, bien évidemment, j'ai pas fait de mal, j'ai tout laissé propre derrière moi. Et voilà, quoi. Ce petit abri à bois là, c'est impeccable. Voilà. Là, il prévoit des gros orages aujourd'hui, mais à partir de midi, il est à peu près 8h, un peu moins. Donc, ça me laisse 3h30, 4h, un truc dans le genre. Et l'idée, c'est de rejoindre Saint-Genès quelque chose. Et je verrai la suite. Déjà, j'y vais jusque là-bas. Et au pire, demain, je fais Saint-Genès-Charrière. Ça fait 27 bornes, mais c'est jouable, c'est l'étape qui est officielle en fait. Et j'ai un créneau jeudi vendredi pour passer le Sancy parce qu'après il y a encore des orages. Et le Sancy avec les orages, c'est pas possible. Après en pleine comme ça, bon ça va, on peut toujours se cacher. Bah allez, je vais jusqu'à Saint-Genès, puis je vous dis encore une fois, je suis là-bas. Bon, je rattaque de là où j'étais hier. Voilà, il n'y a pas de triche. J'aurais même fait deux bornes de plus. Mais c'était pour la bonne cause, il me fallait de l'eau. Et surtout, j'ai eu un super abri pour la nuit. Et là, ce matin, cette lumière sur le lac, vous voyez tous ces reflets? C'est magnifique. La résistance. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines. Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne. Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Voilà, en mémoire à tous ceux qui se sont battus ici, pour qu'on ait un pays libre, égalitaire, fraternel. Liberté, égalité, fraternité. Faisons en sorte qu'aujourd'hui, ces valeurs soient retransmises de génération en génération. Apprenons ces valeurs à nos enfants et faisons en sorte de vivre dans un monde juste. Voilà. Merci. Moi, j'ai vu la guerre. Parce que vous aviez quel âge, vous, pendant la guerre? 10 ans. 10 ans. Au début ou à la fin? Hein? Au début ou à la fin? Au début. Oui. Donc quand elle a fini, vous aviez une quinzaine d'années, quoi. Même pas. Ouais. Quand c'est venu, quand les maquis sont venus, on partait avec ma soeur, on partait à pied à l'école. Et les maquis descendaient de Saint-Genès. Là-bas, il y a le chalet. Et voilà, Saint-Genès Champespe. J'ai hâte d'y arriver pour me restaurer.
de ravitaillement. Le ravitaillement. Hey! Bon, ça sonne la fin de la journée pour moi. Il est que 16h et je suis au village de Lachaud. Le souci, c'est que encore une fois, ils avaient annoncé des orages à partir de midi. Il n'y en a pas eu. J'ai quitté Saint-Genès. Du coup, je suis parti ce matin de la Crégu. J'avais chez Saint-Genès un peu avant midi. Il y avait une épicerie ouverte. Super sympathique. J'ai pu laisser mon téléphone à charger. Et j'ai pris un peu de ravitaillement, impeccable. De là, je suis posé une petite heure, je suis reparti. Et là, en fait, je suis arrivé à Lachaud. Bon, il est 4h. Donc, je peux y continuer. Le souci, c'est que à partir d'ici, il y a le lac Chambon, la cascade, et ensuite Picherande. Mais Picherande, c'est au moins à 10 bornes, quoi. Ou sinon, je me pose là avec mes potes les salaires. Ah, vous en pensez quoi, les filles? On dit bonjour. C'est des génisses, donc elles sont plutôt cool. Viens. Viens, j'ai plein de granules pour toi. Bon, elles ont pas l'air de croire que j'ai des granules. Ok. Bon, en gros, l'idée, c'est que là, il y a une source. Là, sous la plaque, là, il y a une source. Elle coule là, en continu. Ouais, t'inquiète. Voilà, t'inquiète. Là. Et là, l'eau est claire. Donc là, j'ai une vraie source d'eau. Là, je vais pouvoir faire le plein. Bon, le problème, c'est qu'il y a le jus dans le fil. Il va falloir se coucher dessous pour passer. Mais en soi, ça passe. Et l'autre bonne nouvelle, il y a ça. Cette maison est complètement abandonnée. Et du coup, hop là. Là. J'ai un abri. Ouais. C'est plutôt propre à faire. Franchement, j'ai déjà connu bien pire. Voilà. Donc, bon, je vais refermer. Je vais rester dehors tant qu'il fait beau. J'ai la 4G. J'ai de l'eau. J'ai rechargé mon téléphone tout à l'heure. Franchement, bien. Voilà. Je vais dormir ici. Je crains ça, les orages de soir, au calme. Demain, je me range jusqu'au pied du Sancy. Ils annoncent encore des orages dans la journée. Et jeudi, la matinée il fait beau, l'après-midi de la flotte. Donc jeudi, je me tape le Sancy, c'est sûr. Et là c'est carré. On va refermer. Ah bah non, on va rentrer parce qu'en fait il pleut. Bon bah on va rentrer du coup. Ok, bah écoutez, moi je vais me foutre à l'abri du coup. Je vais m'installer gentiment pour la nuit. Ouais, ça commence à... Et les gouttes. Ben voilà, c'est le destin. Voilà, faudrait vraiment que je m'arrête ici. Allez, bisous tout le monde. Et voilà, merci de me suivre. Du coup, j'ai été chercher ça, c'est un sac d'enrubanage, et j'ai frotté avec par terre. Et vous voyez, tout propre. Là, on va passer une bonne nuit. Parce que si ça pleut, là j'ai calé la porte avec une bûche, si ça pleut vraiment, je peux même la refermer. Ça c'est beau. Et merci de m'avoir suivi, surtout n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur ma tête ou à suivre une prochaine vidéo, à partager, mettre un pouce bleu. Si t'as pas aimé, n'hésite pas à le dire dans les commentaires si tu veux faire n'importe quelle recommandation.
Et je te dis à bientôt. N'oublie pas que l'aventure, c'est pas si cher que ça et que toi aussi, tu veux partir à l'aventure. Allez, à plus!